Avertissement, cette vidéo ne vise personne. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Merci et bon visionnage. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos milliers de commentaires et tout votre soutien suite à ma vidéo sur le cyberharcèlement. Le jour de la publication des vidéos, avec celle de Nadège Candle, j'ai reçu plus de 11 000 commentaires, des messages privés, des mails, dans lesquels vous m'apportez tout votre soutien et vous me racontez aussi vos propres expériences. Encore une fois, je suis vraiment désolé, je pourrais pas répondre à tout le monde parce que je suis vraiment tout seul à répondre aux commentaires, aux messages, aux mails, et c'est un petit peu difficile avec cette quantité de messages, mais sachez que je les ai tous lus. Tous. Alors encore, vraiment, un énorme merci pour votre présence. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que si on se soutient les uns les autres, si on prend soin les uns des autres, alors on peut faire en sorte que ça s'arrange, que ça s'améliore, et on peut aider les personnes qui sont victimes de harcèlement. Mais surtout, il faut aller de l'avant et ne jamais oublier de rire. Et justement, pour faire la transition, je pense qu'on devrait pouvoir rire aussi des personnes qui envoient des insultes, des menaces, des rumeurs et qui font du harcèlement sur Internet. Après tout, ces personnes disent qu'elles ont énormément d'humour, mais avant de se moquer des autres, il faut savoir rire de soi-même. Alors pour cette vidéo, j'ai essayé de me glisser dans la tête d'un rageux et de voir ce qu'il pense. Oui, bon, je sais, je vous entends déjà. Oui, rageux, ça pense pas, c'est pas possible. Vous avez peut-être raison, mais bon, il faut quand même essayer. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le joli pouce bleu à la fin. Merci. Voici... Nul. T'es moche. TG, arrête tes vidéos. Tu sers à rien. Rage, rage. Espèce de... Oh, j'ai fait un beau rêve. Allez vite, sur Internet, j'ai plein de messages à écrire. Ah, voilà. Alors je me relis avant de publier ce commentaire, quand même. Alors, nul, t'es vraiment qu'un... Je te déteste, et en plus, t'es gros. Bon, bah, tout est bien. Allez hop, j'envoie. Ah, oh, oh, ça fait du bien. Oh, oh oui. Oh, il m'énerve, cet acteur. Oh non, pas cette émission, elle m'énerve aussi. Oh, je supporte pas ces présentateurs. Oh, et en plus, je peux même pas leur dire. Oh. Ah mais si, ils doivent bien avoir un compte Twitter. Ah, heureusement que t'es là, mon petit Twitter. Hop, je me connecte à mon compte anonyme et sans photo, et je peux maintenant envoyer tranquillement plein de gentils messages. Attends, c'est quoi cette polémique là? C'est qui ce youtubeur? Je le connais pas. Oh, mais bon, s'il y a une polémique sur lui, c'est qu'il le mérite. Allez hop, tu fais pitié, arrête tout de suite, ou mieux, va te pendre. Ah, voilà. Heureusement qu'on est là pour faire la justice. Ce youtubeur m'énerve. Je le supporte pas. Remarque, je supporte personne. Mais bon, c'est pas la question. Comment je vais bien pouvoir l'attaquer? Ah, je sais. Je vais lancer une rumeur sur lui et salir son image. Ah oui, mais pour ça, faut que je trouve quelque chose qu'il ne pourra pas prouver. Et comme ça, il ne pourra pas non plus se défendre. Je suis un génie. Je connais ton secret. Tu fais partie d'une organisation secrète. Tu as payé des gens chez YouTube. Tu as piraté le site pour te faire connaître. Tu es malhonnête. Prouve-moi que tu n'es pas un Illuminati. Et c'est la vraie vérité. Croyez-moi. Ah, voilà. Tout le monde va me croire. Bon, alors visiblement, les insultes, c'est pas bien. Ça passe pas. Tu croyais m'avoir. Je vais t'écrire un long commentaire. Ce sera bien négatif. Mais je dirais que c'est une critique constructive. Comme ça, tu seras obligé de l'accepter. Alors... Tes vidéos sont médiocres. Tu n'es pas du tout original. Tu devrais arrêter. Tu n'es pas du tout gentil. Mais attention, ce n'est pas de la rage, juste une critique constructive. Je ne critique pas le youtubeur, je ne critique que ton contenu, pas la personne. Non, non, je te le dis en toute partialité. Même si je suis ami avec les trois quarts des personnes qui critiquent et insultent les autres youtubeurs, vraiment, je te le dis en toute objectivité. Voilà, envoyé. On verra bien s'ils veulent accepter mon message de paix. T'es nul, t'es moche, je te déteste et tu peux du cul. Ah non, et ça c'est ce que je pense vraiment. De toute façon, c'est nous qui avons raison. Nous les rageux, on ose vraiment parler et dire les choses. C'est nous qui choisissons ce qui est bien ou pas. Qui a le droit de faire des vidéos ou pas. C'est nous les justiciers. Chérie, tu me descendras tes slips sales s'il te plaît, je fais une lessive. Oui maman.
Qu'est-ce que je disais déjà? Ah, vendredi soir, le week-end, je pourrais sortir, aller au cinéma, faire du sport, aller au musée, voir des gens, me balader, créer des choses... N'importe quoi. Allez hop, Twitter, YouTube, Facebook, et c'est parti pour voir tous les ragots et laisser plein de gentils messages. J'espère qu'il y aura du drama ce week-end. Oh là là, il n'y a pas de scandale en ce moment sur Internet. Pff, je suis en manque, il me faut du drama. Ah ben je sais, je vais en créer. Alors les enfants, c'est déjà fait, les dégustations aussi, les podcasteurs moins... Ah, je sais. Oui, vous avez vu, il y a des youtubeurs qui demandent des pouces bleus. C'est pas bien, c'est scandaleux, c'est une honte pour l'humanité. Il y en a d'autres qui osent créer des personnages. Et d'autres, ben en fait, ils regardent même pas dans la caméra quand ils parlent. Bouh, c'est pas bien, c'est nul. Allez, faites du drama maintenant. Tiens, ça ferait quoi si j'étais gentil? Si j'étais respectueux? Si je ne regardais tout simplement pas les gens que je n'aimais pas? Oh, je serais beaucoup plus calme, je serais plus apaisé, et les gens seraient moins tristes. Trop nul! La rage, c'est bien mieux! Allez hop, DG, FDP, et mange ta mémé! Non, et puis quoi encore? À votre avis, quelles autres phrases les rageux pourraient penser? Dites-moi ça dans les commentaires! Si cette vidéo vous plaît, si vous voulez m'apporter encore plus de soutien, n'oubliez pas de cliquer sur le joli pouce bleu! Et surtout... Partagez! Partagez! Merci à tous, vraiment, du fond du cœur! Et à bientôt pour de nouvelles aventures! Bye!